Yes, let's go, j'ai eu les FPS, incroyable. Bon, salut tout le monde, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends. On est avec une petite Lux support, ça faisait longtemps. J'en profite dans cette game parce que y en a qui font plaisir, voilà. Lui, il a sorti le Azir. Merci. Merci de faire un petit peu de nouveauté dans ce jeu. Merci de jouer quelque chose de différent de tous les champions qu'on voit tous les jours. Merci Renata de ne pas jouer Soraka, Lulu, Yumi, Pyke et tout le bordel. Merci, nous allons avoir une bonne game, ça fait extrêmement plaisir. Mais avant ça, sponsor. Du coup, aujourd'hui, on est sponsorisé par le téléphone Red Magic 7 Pro. Ouverture de la boîte. Chocolat. Ce que je kiffe, c'est qu'ils mettent déjà l'écran de protection et ils te donnent la coque de protection avec. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Le câble et la prise. Évidemment, la boîte est vraiment stylée. Je vais la mettre dans mon décor de stream. Arriverez-vous à la retrouver? Le pro, évidemment, est plus puissant que le non-pro. Bien vu, bien vu, bien vu, très très fort. Qu'est-ce qui change maintenant? C'est qu'en fait, les trois caméras ici, plus la lumière, sont en forme de carré, au lieu que ce soit en vertical allongé. Moi, je préfère comme ça, personnellement. Il va disposer de beaucoup plus d'espace. Je passe de 256 Go à 512. Bon, bah le double, ça fait plaisir. Hein. Donc, le téléphone est designé pour les gamers, mais pas que. Là, moi, je suis pas un excellent gamer et pourtant, j'adore le téléphone. Donc, c'est un Android. Tu vas avoir les mêmes choses. C'est juste que ici, tu vas avoir plus de gadgets possible avec ce téléphone là. Par exemple, ici tu as le fan qui s'active automatiquement quand tu lances un jeu. Tu vas avoir la lumière ici qui t'indique. Il y a le système de refroidissement qui va être créé par le téléphone pour que tu puisses jouer beaucoup plus longtemps un jeu et de façon agréable. Il a des particularités très très spécifiques pour jouer, par exemple sur les bords là. Et là, c'est deux touches pour jouer comme ça en fait. Tu as deux touches supplémentaires. Par exemple, sur Wild Rift, qui est la version mobile de League of Legends, bah, ces deux touches-là me permettent de lancer, par exemple, mes summoners au lieu de taper. Donc si c'est un flash, bah, je suis beaucoup plus réactif que si je n'avais pas ces touches-là. Donc ça te donne un avantage incroyable, mais tu as d'autres trucs. Par exemple, tu peux activer des timers. Par exemple, tu peux mettre 5 minutes de timer pour savoir quand est-ce que le flash de la personne en face va être disponible. Quand je vous parle de performance, ça va pas parler à tout le monde, mais 16 Go de RAM, c'est plus que sur mon PC en fait déjà. L'écran 120 Hz, son système de cooling, il est insane. Bref, il y a tellement d'autres trucs, je vous laisse aller sur le site. Mais sinon, au niveau de la vidéo, il peut faire du 8K, mais le 4K est vraiment bien optimisé. Je l'ai testé, j'étais vraiment impressionné en vrai, parce que je suis pas habitué au 4K. Il peut avoir un grand angle qui est ultra apprécié quand t'as besoin de montrer des pièces et des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment stylé. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est leur fond d'écran, leur thème que tu peux changer. Donc c'est des fonds d'écran animés, etc. Je trouve ça vraiment cool. Du coup voilà, c'était le Red Magic 7 Pro qui est encore une fois une masterclass, c'est le téléphone de gamer par excellence. Tu veux le meilleur téléphone pour gaming, tu peux pas trouver mieux. Merci à eux, merci à vous, bonne vidéo, c'est parti. Oh putain. Oh, il le tente. Et tu vas jamais gagner. Ah si, t'as presse d'attaque. Oh, il joue Dark Harvest ce fou furieux. Bon, ah, je suis content, il est 8h30 du matin. Il fait beau, je joue Lux. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Lux. Je la sens bien cette game, je la sens très très bien là. Je sens qu'on va s'amuser. On va essayer d'aller prendre le niveau 2, j'avoue. Oh le dodge. Ok, non, très beau dodge, rien à dire. Excellent dodge. C'est terrible, j'ai tout raté. Je pense que je vais faire un back rapide. Et on est bien. Aïe, va falloir flash fast là. On n'a pas flash, pas de problème. Après, encore une fois, la wave, c'est une wave canon, donc c'est pas la fin du monde. Parce qu'en fait, j'aimerais aller les stops en fait. Je les ai giga stop là, on est d'accord? Ils ont réussi à back là? On a double wave. C'est un peu triste ça.
Gagonadai solo. Bon, je suis mort anyway. Hein. Ah ouais, ça monte level, c'est tout ici. Ah. Petit flop ici, malheureusement. Bon. Bien joué ça. J'étais obligé d'avancer parce que si elle reculait, je la tapais en fait. T'es obligé de se prendre le truc. C'est vrai que c'est violent Lux, Jinx sur ces combos là. Non, j'ai monté le Q, le con. Elle arrive sur la lane et se refait des fonds, genre. Ah oui, c'est moi qui prends le kill quand même. Oh là là, la destruction. Oui, bah ça vous apprendra, ok. À nous gank. Pas cool. Vas-y, fini. Bien joué, bien joué. Je vous l'avais dit, quand c'est pas des Soraka, Lulu, Yumi, Pac, putain, on peut enfin jouer genre bot, c'est tellement bien. Mid, c'est... Bon, il y aurait eu Azir, c'était cool, mais mid, tout dépend du jungler, s'il te campe ou pas, s'il t'aime pas. Donc ça, c'est des fois, c'est un peu chiant. Là, on s'amuse. Mi peut-être un peu mort, là. Le plus de dégâts avant de crever. Sorry. Sorry pour le flash. Non mais c'est lui aussi, il veut un petit peu plus de piment dans les games. C'est normal, c'est normal. Par contre, un bon R. Oh. Elle vient de ult? Ou elle a foiré son ult? Non, elle a déjà ult. Si tu me donnes la vision, je R1. Elle a même pas d'assist. Belle ward, Harry. Merci beaucoup. Tu es une très jolie ward. Le midlife est gratuit. C'est ma zone ici, touchez pas. Trop tard. Yes. Ah, c'est ça que j'aime bien avec Lux. Eh mais ton champion, il est complètement OP en fait. Oh shit. Vas-y, va le chercher loin là. Genre j'ai oublié le Z mais il est très bien là hein. Oh shit. Ah bah ça c'est dommage ça. Non. Non. J'ai tout raté. Je crois qu'elle a tapé la tour. Ça l'a tué. Je vous l'avais dit, cette game, quand les champions sont pas cancer, on s'amuse de fou genre. Merde. Oups. Là en vrai, il n'y a pas de champion cancer. Il y a juste Z qui peut être relou. Alors évidemment, c'est cancer, point de vue, c'est mon point de vue, évidemment. Il y en a qui vont être en mode Soraka, Lulu, Yumi, bye, c'est pas cancer. Moi, je trouve ça horrible à jouer contre. Je trouve pas ça fun. Il y en a, ils vont être en mode... Non, c'est bien. Moi, ça m'amuse pas. Tu vois, j'ai vu cette game. Je savais qu'on allait s'amuser. C'est plus mon équipe qui est plus cancer. Là. Les 4 là, j'avoue. Oh, shit. Mais Timo, tac.
Oh merde. Fuck. 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 Qu'est-ce que tu me veux toi? Non. C'est ça, fais pas la folle. Attends, mais il y a un champignon là? Il y a un champignon là? MDR. Ils sont où? J'ai envie de ult là. Oh, tu vas pas t'en tirer toi. Oh, c'est pris un Dark Harvest Gnar là. Je suis les deux. Et à clean instant, il a eu peur. Non. Moi j'aime trop, il y a une Lux en face, mais je jouerais toujours contre des Lux, j'aime trop ça en fait, les skill shots, esquiver les trucs là et tout, genre, c'est trop bien. Voilà, toi t'as pas eu le temps de Zhonya. Je voulais pas qu'il Zhonya, je voulais pas qu'il ait le temps genre. Alors, ouais, tu feras attention, t'es quand même un peu vulnérable. 10 secondes, 10 secondes mon ult. Ça joue, ça joue, ça joue. Où est le Z? Mais arrête de bouger! Ouf! Désolé bro. Il peut mourir du poison je pense. Nice. Oh ça fait du bien de jouer Lux. Oh ça m'a rappelé des souvenirs là. Ça faisait longtemps. Je veux vraiment les mages de League of Legends qui jouent entre eux, genre contre eux, genre. Les sidesteps et tout, les trucs comme ça, j'aime trop genre. On n'a pas touché un sort tous les deux. Oh oui, si, c'est drôle. Oh ouais, d'accord, il en a rien à foutre, lui. Oh, oh merci. Putain, je savais. En fait, dès que je vois une bonne draft, je veux dire, des champions cool à jouer contre, la game est cool. Mais bon, bah, c'était cool. C'était quel elo? Ok, Master, Diamant 2. Ok, c'est bon. C'était petite game souvenir de luxe, comme dans le bon vieux temps. C'était cool. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine. Ciao.